On voit là l'invité mystère. On est là les gars. Bon, qu'est-ce que tu vas me faire de beau cet après-midi? Alors là on va faire un petit cours de freestyle, on va commencer easy vu que t'as pas trop fait de basket ou quoi. On va commencer avec des gestes vraiment de base, soit tout ce qui est dribble entre les jambes, dans le dos, tout ça. Et à la fin, on aura un petit geste un petit peu plus compliqué que le reste, tu vois. Dont je ne vais pas encore te dire, sinon ça va pas être drôle, tu vois. Bon, soyez prêts à la famille. Franchement vous allez rigoler je pense. Yes sir. Les boss, donc il part pas au départ. Voilà. Ouais, nice, pas mal du tout. Mais c'est les enchaînés après, tu vois. Surtout, à la suite. Ouais. Après, tu peux même ne plus te pencher une fois que t'as la coupe. En fait, une fois que t'as le lancer, ça s'enchaîne tout seul. Non, c'est vraiment là, tu sautes un peu l'étape de la poitrine. Yes. Essaye de te focus vraiment à garder les bras tendus. Vraiment je pense quand tu commences tu vois, genre toi le problème en fait c'est que tu sais, tu la laisses, tu sais c'est limite tu la fais venir avec ta main en fait. Alors que vraiment ça doit se faire tout seul tu vois, juste tu montes et tu laisses tomber tu vois. Ça glisse. Tu montes, ça glisse et principe de gravité en fait. N'hésite pas. Voilà tu vois là c'est beaucoup plus facile. Vraiment tu vises là en fait, ton épaule à ce niveau là. Voilà là t'étais bien là. Après c'est juste mettre la poitrine et le droit. En arrière le truc. Ouais ça c'est autre chose après, c'est une variante. Le plus dur. Tu vas faire dribble entre les jambes, okay. Main au sol, genou au sol, là tu vas ta jambe en fait elle va passer au-dessus de ton autre jambe, tu roules, tu dribbles, juste prenez. Ok, ça c'est la version ralentie. Un petit peu plus vite, ça donne ça. Ça va? Ouais. Tu passes ici. Voilà, alors là, main au sol. Celle-là. Voilà. Là. Genou au sol, voilà. Et là, ta jambe, elle passe derrière l'autre jambe. Là. Et en même temps, tu dribbles, voilà. Là, tu poses les fesses à terre. Tu veux le dribbler comment là? Ouais, ouais, parce que là, regarde, t'es comme ça, en fait. T'es comme ça. Okay. Oh, ta jambe, elle passe. Ah, ok, tu mets le bras en arrière. Ouais, c'est ça. En arrière. Ouais, voilà, et boum, en fait. Ça fait le moment, c'est comme quand on fait la reverse. C'est exactement la même chose, c'est que là, tu passes au-dessus de ton corps. Tu le dribbles direct. Je pense à bien mettre tes fesses par terre. Maintenant, on va commencer le street. Je vais t'apprendre. Ça va être moins drôle, je pense. Pompe claquée, un basique. Ok. Pompe archer. D'accord. Et après, on fera un tuck front. Okay. Donc là, c'est le côté un peu plus dur. Tu sais que là, je vais me brancher de toi. C'est pas grave, t'inquiète. Ok, là, vas-y. Si tu le sens pas trop, tu t'écartes les jambes. Je pense que je vais serrer les pieds. D'accord. Tu vas là, tu descends. Ok. Tu pousses. Ouais. Si tu veux rajouter un peu d'appui, un peu plus d'explosivité, en fait, si tu veux, tu remontes les fesses. D'accord. Okay. Parce que là, en fait, ça va te rajouter le petit décolleté en supplémentaire qui va permettre de pouvoir taper tranquille, si tu vois, parce que
ça t'évite quand t'es vraiment fatigué, bah tu dis ton énergie, tu vois. Okay. Ouais, t'es tranquille. Donc là, je vais te faire en classique. Okay. Descends, hop, tu pousses. Lâche. L'autre, en fait, tes fesses, ils partent en premier. Regarde. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, tes fesses, ils partent en premier. Ok. Bah non, bah c'est en classique au départ. Allez. Ça va? Mais oui. On passe largement. Ça va être un peu plus dur. Donc, t'as une main à plat, une main en direction de là-bas, c'est en fait où tu vas aller. D'accord. En fait, tu vas répartir ton poids. Par exemple, ici, hop, t'arrives, tu descends sur un bras, ici, et tu le diriges là-bas. Et là, c'est l'inverse en fait. Et en fait, quand tu tournes ton bras, quand tu t'approches vers l'autre truc, tu tournes en même temps. Ok. Exactement ça. Voilà, là, je me dirige vers là-bas. Ouais, exactement. Et quand tu te rapproches, tu tournes ta main. Oh la vache! Exactement, c'est ça. Allez, on a fait une main, wow, je suis mort. Donc là, je t'ai fait le mouvement final de base. Je fais front, mais on fera pas le front, on fera la tête. Le mouvement final, c'est ça. Donc, là, ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler, c'est la tuck avant tout. Donc la tuck, t'arrives, bras tendu, ton dos, comme ça, les genoux, sur le buste. Okay. Et le but, c'est que tu sois parallèle au sol. Okay. Donc t'es là. Okay. Si tu te sens, tu peux faire ici. Crois-moi, déjà, tu vois que ça va commencer à tirer. Donc, hop, tu m'as dit le dos rond. Exactement ça. Et je ramène les genoux. En fait, tes genoux, tu les as collés sur les pecs. D'accord. Bras bien tendu. Ok. Oh putain. Là. J'arrive pas à monter plus trop. Si tu pousses, c'est ouais. Comme si tu voulais partir de l'autre côté, tu te dis. Ok, d'accord. T'arrives, hop. Ah oui, ok. Alors, ça va changer tout le monde, exactement. Là, exactement. Okay. C'est exactement ça. Là, t'étais mieux au niveau de moi. Après, tu vas les coller sur ton torse et tu vas stabiliser dessus, tu vois. D'accord. Là. Là. C'est dur. Là, t'es bon. Là, t'es nickel. Ok, nickel. Ça reste, ça sert là. Voilà. Eh, c'était pas facile, hein. Franchement, merci à toi parce que j'ai appris quelque chose que je savais pas faire. Mais c'était dur hein, celle-là, mais c'est vrai que t'as été un bon coach dans le saignement final, je pense que c'est pas si dur, mais de capter la technique, tu vois, en fait ça a l'air super facile quand je te vois le faire, tu vois, tu fais juste une galipette, mais grave pas. C'est la répartition du poids, c'est un travail, ouais, ouais, c'est vraiment un travail, c'est comme toi pour le freestyle, ouais, c'est un travail totalement différent, mais... Voilà. Ok, non bah c'est cool, en tout cas, je suis content d'avoir appris un truc, peut-être que je vais peut-être rentrer un peu. Ça permet de faire le taf musculaire, quoi. Franchement... T'arrives à me taper une tech propre en vidéo. Oh, mais tu parles de... Ah, non, le tech, non, c'est les plis comme ça. Là, parce que regarde, là, okay. Donc basique. Et tu t'entraînes un peu à faire ça un peu tout le temps. Tu as la tech, bam, ici. Ouais. Après, dès que tu te sens au bout d'un moment, tu passes ici. Ah, tu décales un peu les genoux pour faire une mesure, en fait. Après, tu fais une. Ok. Tu fais l'autre. Et après... Ouais, putain. Et après, les deux, en fait, tu pousses. Et okay. Par contre, les deux, faut serrer les jambes, tu contractes les abdos, c'est plein de muscles qui rentrent en jeu, c'est... Bon. C'est cool. Je reviens sur ta chaîne pour du street. Ouais, quand tu veux. Quand tu veux, anytime. Allez. Anytime. Merci à toi, mec. Merci à toi, surtout. Yes, pas de soucis.